Salut tout le monde et donc bienvenue sur Star Wars Galaxy of Heroes. Donc on va voir ensemble un peu la nouvelle GA, voir un peu ce que ça donne, etc. C'est parti. Donc la manche 1, voyons voir un peu contre qui on est. On est contre un mec qui s'appelle Monkey FKR, agent site avec un avatar de Maul. Ouh la vache! T'es sérieux dès le premier? Oh putain. Dès la première manche, quoi. Oh, il en a mis des états, lui. Wow, la vache. Ah, mais il en a mis à tout le monde, même au Phoenix. Ouais. Il fait quoi, lui? Il part sur quoi? Il a fait Raven, Dark Raven. Il fait exécuteur, j'ai l'impression. Vu jusqu'à où il a monté Palpatine et Vador, il monte Boba Fett, il a un Wampa. Bon, je vais tester les gars, mais... Putain, la vache, pour la première manche de GA, c'est abusé. Hein. Vraiment, faut qu'ils règlent leur matchmaking, il est horrible. Donc là, j'ai quoi? J'ai des GO. C'est du 5 ou... Ouais, c'est du 5. Putain... Désolé, je baille. Hein. Et là, t'as une team. Va savoir pourquoi. Bon, j'ai clairement aucune chance. Aïe, aïe, aïe. Je suis sûr, j'ai même pas. En bas, c'est mort déjà. C'est mort de chez mort. 163 000 de puissance. Jamais de la vie, je peux le battre. Et ça, je peux peut-être tester, mais. Vas-y, je vais essayer une team Padmé, on va voir. Ah putain, il m'a pas enregistré les trucs. J'aurais bien sorti. Comment ça s'appelle? J'aurais bien sorti ma team IT, mais c'est pas trop fort contre les GO. Bounty Hunter, ils sont pas énormément montés, enfin ils sont pas assez montés pour pouvoir faire quoi que ce soit contre eux. Wow. Bon, vas-y. On va tester, écoutez, on va faire un essai quand même, voir ce que ça pourrait donner. J'y crois pas trop. En vrai, j'ai l'avantage, je risque de rejouer juste après si on le teste. Même s'il m'attaque, c'est pas trop grave. Ok. Ouais, quoi. Ok, ouais. J'ai quand même laissé le combat, mais j'ai aucune chance. Je vais mettre un auto. J'ai vraiment zéro chance là. Putain, je suis deg. Mon premier match, quoi. On va aller voir vite fait. Bon, vu que je peux pas, je peux vraiment rien faire, on va aller voir vite fait ce qu'il y a d'autre en face. Parce que là. Vraiment pas sympa. Bon, lui, déjà, il a l'air d'être plus able que l'autre. Putain, il a l'Omicron sur Aiden. Ah ouais, il a forcé de ouf. Zeta sur Luke, j'ai 12 aussi, j'ai 12, putain il est... D'ailleurs, CLS, bientôt le guide du voyage, je suis au dernier... truc à faire pour pouvoir le débloquer. Est-ce que je le ferai? Je sais pas, sûrement, je verrai. Ça me permettra d'être à peu près bien en arène et en truc normal, mais bon, faudrait voir. Sinon... Il a quoi, Tarkin? En vrai, lui, déjà, il est faisable par rapport à l'autre. C'est ça qui est bien. Maintenant, il faudrait voir un peu ce que ça donne. Niveau vaisseau... Ok... Je sais pas trop quoi en penser. En vrai, ça va, il reste ok. Je peux peut-être me débrouiller contre le premier. Ouh, le deuxième, bon déjà il fait premier round lui. Oula, attends. Oui, il fait premier round.
Ok, il a bientôt son vaisseau carrière. Il a monté Poggle le Bref pour ATW. Ok, lui je peux peut-être me débrouiller. Il va sûrement garder une team pour du premier ordre pour comment ça s'appelle? Pour la défense et une pour l'attaque. Là, TUX1, il a le fantôme, Slave One, TU Échelon qui est encore assez bas. Sinon, il a quand même les gens. En vrai, il s'en débrouille. Il se débrouille très très bien en vaisseau, par contre. Ok. Bon, un peu plus chiant, mais le premier devrait se faire. Louis Siavok, il a l'air d'être faisable. Il fait aussi premier ordre, ok. Putain, il a mis un Omicron. C'est quoi l'Omicron? C'est sûr, j'imagine. C'est quoi en grande arène lorsqu'il n'y a pas de Légion Galactique alliée ou. Et que tous les alliés appartiennent au premier rang. Le pilote est. Ok, tous les alliés. Ok. En vrai, tu me dis, si tu fais directement SLK, je pense pas que ce soit une mauvaise idée, mais c'est peut-être un peu forcé de mettre un Omicron sur ça. Il a CLS G12, il a pas Zeta. Ok, bon, lui, ça devrait à peu près être faisable. Je pense que j'aurais peut-être un peu de mal, mais sinon, dans l'ensemble, ça devrait être ok. Ces vaisseaux aussi, donc, ok, bon, ça va. Il y a deux personnes là, ça va à peu près. Élysée, voyons voir. Ouf. Ouh là là. J'ai peur. Ouais. Oh la vache. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Starkiller. Lui, il fait Starkiller d'ailleurs, il doit l'avoir, non? Je vois une, deux, trois, quatre. Et Starkiller, il est. Il l'a pas débloqué? Ah si, il est là. Oh putain, avec les deux Omicron. Attends, il a Darth Malgus aussi? Wouah! Ok. Putain, il a aussi Malgus. Ok. Bon, lui, je sens que je vais avoir du mal. Hein. Je sais pas. En fait, c'est bizarre. Il a l'air d'être là depuis longtemps. C'est sûrement un cash player parce que il a des trucs, genre, clairement, tu l'as pas comme ça, mais il est pas assez avancé sur certaines choses qui, normalement, devraient l'être. Et je trouve ça bizarre, genre. Il a BAM, il a des trucs comme ça, mais genre, il a tellement de reliques, il a plein de trucs, il a l'air d'avoir focus Starkiller assez rapidement. Mais le truc, c'est que ses vaisseaux sont pas ultra avancés. C'est genre, il a Malgus. Vu l'avancée de son compte, ça me paraît un peu étrange qu'il ait Malgus. Après, il est que G8, donc c'est possible qu'il vient de l'avoir. Je pense quand même qu'il a cashplay lui. Il a mis tellement d'Omicron et tout. Soit il a cashplay, soit il date de ouf, mais il a pas non plus énormément en forme. Ok, bon, lui ça risque d'être chaud. Elysea. Chicken. Oh, Chicken, tu m'intéresses. Toi, t'as l'air d'être faisable. Ok, bon, Chicken, lui, ça devrait être faisable. Il a ses 3 PO ou pas? Il a ses 3 C, je vois pas ses 3 PO. Non, il l'a pas, ok. Il l'a pas encore fait ses 3 PO. Il a quoi? Il a une petite team Padmé, il a JKR, il a l'air d'avoir Empire. Team BH. Bon, il a une team Padmé, il a une Phoenix aussi. Et puis voilà. Il a Géo aussi, je crois, mais pas énormément monté. En vaisseau. En vaisseau, ça a l'air d'aller. Ok, bon, c'est pas non plus insane. En vaisseau, je devrais pouvoir m'en sortir. Ok, donc si contre lui, ça devrait m'en aller. En vrai, ça va. Il y en a surtout deux là où c'était clairement. Tu sais pas pourquoi ils sont là. Monkey Fire, donc c'est celui contre qui je me bats. Wow, lui aussi, il a l'air d'être. Je vais voir vite fait. Ouais, bon. Putain, lui, c'est l'inverse de l'autre. Bon, lui, déjà, il fait. Il fait ce, lui.
Pourquoi il a monté Gideon? Il a monté Gideon, il a monté Kylo Ren. Ok. Bon, lui, il est déjà, il est pas loin de... Comment ça s'appelle? De SE. Il a un Qui-Gon Jinn. Ok, bon, lui, ça risque d'être un peu dur. Hein. Est-ce qu'il a Céleste? J'ai pas capté. Oui, il a Céleste. Bon, par contre, il a pas encore la Galactique Légende. Enfin, SE, quoi. Il a ses 3 PO ou pas? Je crois pas. J'ai pas vu en haut de souvenir. Il a pas mal d'Omicron. Il a le Yoda Ermite. Il a le Wampa aussi ou pas? Pas l'impression. Calcatarn. Cette étoile. Donc, il va peut-être partir sur un Starkiller. Aiden versus avec direct son Omicron. Elle est 5 étoiles. Est-ce qu'il y a des Troopers? Je regarde s'il y a des clones. Enfin, pas des clones, mais des Troopers. Orange Trooper. Ça en fait que deux. Les autres, ils sont plus bas, les autres. Ah, Stormtrooper. Donc, ça en fait 4 au total, je crois. Bon, il a de quoi faire une petite team Aiden quand même, surtout que le micron c'est pas rien. Ouais, bon, il a de quoi le faire, ok. Bon, ok, ça risque d'être un peu chaud, je pense pas que je gagne, mais je peux peut-être tenir tête en tout cas. Il a de quoi faire en vaisseau, mais ok. Ok, bon, dans l'ensemble, normalement je devrais bien m'en sortir. À voir si je tombe contre bah, tous les mecs qui ont full relique, etc. J'espère pas, on verra bien ce que ça donne. Comme vous avez pu voir, bon, bah, cette manche, clairement, je peux rien faire. Mais ouais, j'espère que pour les autres, ça ira. En vrai, j'aimerais bien redescendre d'un échelon, genre Carbo 4, une carrière genre. Parce que en 3, là, je peux rien. Il y a des manches où je peux juste rien faire, quoi. C'est impossible, et du coup, ça me fait un peu chier. Donc du coup on verra bien. Putain mais je suis même presque à la limite pour passer Carbo 2 alors que j'ai rien qui fait que je peux clairement passer mais bon. Donc voilà, bon bah merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo les gars et profitez d'ailleurs de Star Wars Jedi Survivor, le jeu est quand même sympa. Allez ciao tout le monde.